sur scène, tu ne trichais jamais. Tu donnais tout jusqu'à tomber à genoux. Tu pleurais d'aimer dans la nuit. Ta voix résonnait, le Stade de France, la Tour Eiffel. Sur scène, sous nos pieds tout tremblait, confinant à l'universel. De partout, les cœurs t'acclamaient. On pense à toi, Johnny. Le rock and roll, ton blues se teintait de gospel, créant un nouvel acropole. Ta guitare en nous s'accordait, vibrant au son de nos lumières. À chaque note, tu proposais l'idée qu'elles ne sont pas chimères. On pense à toi, Johnny. Décembre à Madeleine, le monde t'offrait un requiem. Derrière cet amour, quelques cris, l'idole des jeunes comme Tennessee. Si ceux qui partent risquent l'oubli, jamais tu ne seras parti. Tu as une invite dans nos cœurs, car il VIP à demeure. On pense à toi, Johnny, un cadeau. Chaque pleur qui en nous coule, tu avais lu nos joies, nos drames. Chacun se lisait dans tes rimes, à chaque mot, chaque prière. Tu conversais avec l'intime, comme le soleil avec la terre. On pense à toi, Johnny, un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri. Oh.
commence au golf Drouot, tout se termine à la Madeleine. Pour une idole, quoi de plus beau que de lui faire un requiem? T'en as chevauché des Mustangs, toi le gosse de la Trinité. Tu étais le chef de la bande et ta légende a commencé. De ta première leçon de twist à ta dernière chanson d'amour, faut savoir que la vie d'artiste, on n'en a jamais fait le tour. Johnny, la route 66 aujourd'hui ne sera plus jamais la même. Le soleil de Californie ne brillera plus tout à fait pareil. À Marne, la coquette, c'est fini. Le visage pâle s'en est allé. Faut croire qu'à Saint-Barthélemy, un ange est venu te chercher. Si tout commence par une guitare, à l'Alhambra, évidemment, elle est venue, la belle histoire de l'Amérique avec le temps. Il t'en faudra briser des chaînes pour devenir encore plus grand. Savoir que la musique qu'on aime, elle vient du blues et finalement, t'en as traversé des rivières, du Grand Canyon au Michigan. Si l'histoire n'est plus à refaire, on la partage avec tes fans. Johnny, la route 66 aujourd'hui ne sera plus jamais la même. Le soleil de Californie ne brillera plus tout à fait pareil. À Marne, la coquette, c'est fini. Le visage pâle s'en est allé. Faut croire qu'à Saint-Barthélemy, un ange est venu te chercher. Johnny, la route 66 aujourd'hui ne sera plus jamais la même. Le soleil de Californie ne brillera plus tout à fait pareil. À Marne, la coquette, c'est fini. Le visage pâle s'en est allé. Faut croire qu'à Saint-Barthélemy, un ange est venu te chercher. Johnny. Qui fait de très, très très belles chansons. Les amoureux du Sacré-Cœur sont là aussi, qui leur va bien. Je crois que j'oublie rien, si j'oublie quelque chose. Hein, voilà, on remercie aussi Jacques Blavier de l'association. si tu veux dire un mot, non. Donc Jacques Blavier, qui a une super association, qui fait plein de trucs. Qui crée plein d'événements hommage à Johnny. Voilà, donc je pense que si on veut laisser la parole à quelqu'un, on va commencer par le maire du 18e, monsieur Eric Lejoindre, qui a donc. Voilà, donc bonjour, enchanté monsieur le maire. Monsieur Pierre-Yves Bournazet qui aura un mot à dire aussi, je pense. Donc je vous laisse la parole, monsieur le maire.
Et on est vraiment contents que vous soyez tous là, que vous soyez là aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député, cher Pierre-Yves, madame la maire de la commune libre de Montmartre, mon honorable homologue. J'ai vu Midani aussi, j'ai vu le plus perché des pharmaciens de Paris, qui est parti, mais qui était là, et tous nos amis montmartrois, notamment Daniel Prémel, élu du 18e en charge de la mémoire, et Kevin Avec, qui s'occupe de la nuit, ce qui l'incite évidemment d'abord à porter des lunettes de soleil quand on le voit le jour, mais surtout à venir à l'ensemble des événements, festifs. Voilà, je vais y arriver. Comme tout le monde, au mois de décembre, on a appris que Johnny avait arrêté de chanter. Je me suis demandé, comme tout le monde, beaucoup de responsables politiques, ce que je pouvais dire. Parce que c'était le moment où tout le monde y allait de sa petite phrase de son hommage. Et j'ai donc fait un peu de recherche et j'ai découvert ce que je ne savais pas. Ce qui m'étonnait, parce que j'avais l'impression de bien connaître l'histoire du 18e arrondissement de Paris. Et que je pensais, comme beaucoup de Français, bien connaître l'histoire de l'Idole des Jeunes, je ne savais pas donc que Johnny avait un lien aussi particulier avec le 18e arrondissement. C'est vrai qu'on a tendance à bien connaître les artistes qui ont été découverts par Jacques Canetti, par exemple, mais pas Johnny. D'ailleurs, il paraît que Jacques Canetti ne croyait pas au rock'n'roll. Il pensait que c'était une mode qui allait passer. Et puis j'ai appris pour le Marcadet Palace, et puis j'ai appris pour Patachou. Et donc j'ai découvert qu'au-delà de Brel, de Brassens ou d'Edith Piaf, c'est ici que Jean-Philippe Svet, à l'époque donc, a rencontré Pierre Billon, mais aussi Jean-Jacques Debout, qui a été subjugué, et je crois qu'on en aura un témoignage par la personnalité de Johnny. Et donc c'est dans le 18e que le jeune rocker, il avait 16 ans, est repéré par le directeur artistique de Vogue. Il avait chanté, je ne sais pas si vous le saviez, Tutti Frutti, et là ça veut partir. Et donc c'est ici dans le 18e qu'il a été découvert. Et ici, cette histoire, elle n'est pas forcément hyper connue, notamment des habitants du 18e, elle n'est pas surprenante. Parce que dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de toutes les musiques, à toutes les étapes de l'histoire de la musique, quel que soit le style, quelles que soient les périodes, on retrouve une ou des salles du 18e. Les cabarets Montmartrois, ils ont connu Bonville, Nougaro. Les escaliers de la Butte ont permis à Paul Naref de se faire connaître. La Bohème d'Aznavour, les Trois Baudets, les Bistrots de la Goutte d'Or aussi, qui ont permis l'émergence de Gérard Huiti ou de Rachid Tara, ou qui ont été le lieu d'enregistrement des albums de Manu Dibango. La scène de rap française aussi a commencé ici dans le 18e avec Section d'Assaut, Maître Gims, et maintenant le FSF ou Sophie Coquille. Découvert dans le 18e à quelque part ici, avec la belle qui a permis l'émergence de Daft Punk ou de Cassius. Et bref, toutes les grandes tendances musicales ont un lien avec le 18e. Et donc forcément, obligatoirement, Johnny devait passer par le 18e. Et puis le 18e, il est un peu à l'image de ce qu'est Johnny. Il est à la fois rebelle, populaire, innovant, attachant. Il est représentatif de tout ce que les fans de Johnny aiment aussi, ce 18e arrondissement dans toute sa diversité. Et donc je suis vraiment très heureux que, grâce à vous, grâce à tous les amis de Johnny, on ait l'occasion de graver son nom dans une des rues du 18e qui a beaucoup compté pour lui. Et je suis très heureux qu'on puisse redécouvrir cette histoire et ce lien entre Johnny et le 18e arrondissement de Paris, parce que finalement on a tous quelque chose en nous de Johnny. Et donc aujourd'hui, grâce à vous toutes et à vous tous, les rues du 18e garderont pour toujours la mémoire de l'idole de toutes les Françaises et de tous les Français. Donc un immense merci à vous d'avoir pris cette initiative, d'avoir eu le courage de la mener jusqu'au bout, et longue vie à la mémoire de Johnny ici dans les 18e arrondissement de Paris. Merci monsieur le maire. Monsieur le député, tout à vous. Merci monsieur le maire, cher Eric. Je salue les élus, Daniel, Prémel, Kevin Avey. Je salue tous les Montmartrois, tes personnalités montmartroises qui nous permettent aussi de nous retrouver ce matin, et singulièrement la famille Roussard qui nous accueille aussi pour le verre de l'amitié. Je voudrais simplement vous dire que j'ai vécu ici pendant une dizaine d'années, donc j'ai un peu d'émotion avant de descendre dans le bas Montmartre, à la rue des Trois Frères.